Un force là, un applaudissement là pour Zamika. Hein. Parce que Zamika, il vit à Bester, mais Zamika sorti loin. Zamika sorti très loin pour arriver à Bester. Et il arrive à Bester. Non, mais Véronique, viens me voir. Viens me parler de Zamika et viens me dire comment Zamika, pourquoi Zamika arrive à Bester, s'il te plaît. Alors oui, manquez pas les crayons, hein? Ok. Alors Zamika, nous capestait parce qu'il y a aussi un VS comme nous-mêmes. Zamika, c'est avec Carole qu'on a mis en, on va dire, en petit contact. Parce que Carole t'est venu pour te apporter Timouna dans ses gros cas. Et j'en de là, on dit qu'on s'est raconté bien envie qu'un groupe aille venu pour faire une prestation pour nous et à Carole remercier. Donc c'est mon sorti juste c'est François. Pour une bonne force. Voilà. Vous avez quand même vous êtes sorti à part son là-haut. Et après, tu as sorti mine. Ouais. Et après, tu as déjà un, tu n'as pas besoin le mien. C'est fini entre nous, ça y est, tu me quittes. Bon, ben. Ça sera pour après. Ah, d'accord, ok. On continue avec Zamika, merci. Et puis qui alors? Et puis wash alors? Et puis qui ça moins qu'un payé l'eau qui est caille là? Et puis wash alors? Et puis qui alors? Et puis qui ça moins qu'un payé l'eau qui est caille là? Oh yo yo! Il a mis ses femmes à moi. Oh yo yo, la vie c'est qui m'a d'abord moi. Il a dit moi qui mort, tout aussi à pas moi qui mort. Il a dit moi qui mort, tout aussi à pas moi qui mort. Il a dit moi qui mort, tout aussi à pas moi qui mort. Il a dit moi qui mort, tout aussi à pas moi qui mort. Oh yo yo. C'était dans le cadre de son service militaire à la Société Mieux de la Guadeloupe. Et il nous quitta 30 ans après, à l'âge de 50 ans. Donc on voit bien que quand il disait « mais j'ai passé mon temps en Guadeloupe, je suis un Guadeloupéen », je pense qu'il le disait vraiment du fond du cœur. Franchement, il a œuvré pour les associations, parce que je vois encore chaque samedi, premier samedi du mois, il réunissait les associations ainsi que les locataires. Franchement, c'était vraiment un très bel hommage. 10 ans déjà, c'est émouvant. Mais moi, j'ai toujours une seule question, mon fils et moi. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 octobre 2012? On pensait sincèrement, on s'est dit, les années, on s'est écoulé. Peut-être qu'au bout de 10 ans, on saura. Moi, je crois qu'en 10 ans, c'est comme si c'était hier. Mais il y a toujours un point d'interrogation. Merci encore pour cette belle journée. Merci, madame. Petit, ça va être beaucoup d'émotion quand vous remet la fleur. Ok. Ainsi qu'un portrait. Vas-y. Alors, l'artiste qui a dessiné cette œuvre, elle est où? Spontanément, c'est juste un dessin sur du papier avec un décor avec du mahogany. Pour rappeler le côté local. Voilà. Donc, voici mon interprétation de Monsieur Loïc Petit. Merci. Même artiste. Georgie, je te laisse expliquer comment ça s'est passé. À
Alors, sans toute simplicité, Monique a fait appel à moi. Je réalise aussi des sculptures, j'ai réalisé une sculpture en papier, c'est du papier. J'ai voulu montrer qu'avec des choses simples, on peut faire des choses extraordinaires. Donc, elle m'a lancé le défi. Donc, je me suis mise au travail et j'ai réalisé cela pour rendre hommage à ce monsieur, à ce grand monsieur qui a été monsieur Loïc Petit. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que la plupart des personnes ne connaissaient pas monsieur Loïc Petit puisque nous, on a intégré la résidence en 2014. Mais par rapport à tous les témoignages, toutes les personnes qui nous ont côtoyés pour nous expliquer comment il était, j'ai l'impression d'être vraiment proche de lui. Je pense que la plupart des membres des associations ressentent la même chose. J'ai l'impression qu'il est là, qu'il est autour de nous, qui donne la force de poursuivre notre œuvre. Parce que c'est pour cela qu'aujourd'hui aussi, pendant que vous êtes là, nous allons inaugurer notre espace de vie sociale, puisque lui, au niveau, je pense qu'il aimait bien la cohésion sociale. Donc c'est l'opportunité d'inaugurer cet espace aujourd'hui. Bon ben, on y était, donc on déclare officiellement ouvert l'espace de vie sociale Le Marquis, ici à Capitaine-Bello. Bravo encore. Ça, par contre, c'était bien attaché. C'est assez pris. Bravo. Merci beaucoup. Venez faire une belle photo. Un petit. Tu ne peux rester loin. Les tripots oranges, c'est votre travail, c'est votre réalisation. Ouais, non, mais venez profiter de votre travail, tout cela. Ça va, mon monsieur. Ça va. Viens, une belle photo avec nous. Excusez-moi. Ben, la ville de Capesterre est très heureuse ce matin de procéder donc, à l'inauguration de l'espace de vie sociale Le Marquis. L'occasion au travers donc, du travail initié par l'association donc, des locataires de Loïc Petit de pouvoir mettre en place ce lieu de convivialité, d'échange, mais surtout de partage. Parce que nous l'avons vu, surtout au lendemain de la tempête Fiona, on a besoin de ces gestes de manière à pouvoir se retrouver ensemble, mais surtout mettre en place cette animation sur toute l'année, de manière à pouvoir briser l'isolement et surtout faire en sorte que le vivre ensemble puisse trouver donc, toute sa définition.